Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai été faire un petit tour chez Action, encore, pour pas changer. Et du coup, je me suis pris 2-3 petites choses. J'en ai pas eu pour cher, du coup j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 10 €. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je me suis pris des boucles d'oreilles. Je me suis fait percer les oreilles il y a pas très très longtemps, début de l'année. Enfin, repercer, parce que celle-là a été bouchée, mais pas celle-là. Bref, on s'en fout. Donc je me suis fait repercer les oreilles et du coup je me suis fait un peu plaisir. Donc je me suis pris celle-là. On va aussi aller des petits cœurs et puis elles se présentent comme ça. Elles sont vraiment trop jolies. Elles ont un effet nacré en plus, elles sont vraiment super belles. Et donc celles-là elles sont à 1,49. Ensuite. Le masque. Hop. Le masque Glossette pour les lèvres. Je l'avais acheté pour le Noël de ma petite soeur. Et du coup, celui-là, il est à 59 centimes. Je me suis pris également deux masques. Alors celui-là, cela. J'aime bien la marque là en fait. Juste parce qu'on a les petits logos là. Ça change tout. Le premier masque à la boue et le deuxième rouge. Voilà. On va bien voir. Donc les deux masques, 99 centimes ceux-là. 99 centimes. On va pas se priver. Ensuite, oui parce que j'ai une peau dégueulasse, sinon c'est pas drôle. Donc ça c'est des patchs. Des patchs au charbon. Patch au charbon, patch au charbon pour le nez. Élimine les points noirs, nettoie les pores en profondeur. Donc c'est pareil, hein, on va tester. Il y en a 6 dedans et ils sont 99 centimes. Voilà. Parce que l'esthéticienne, ça revient cher. Je vais tester les bandes de cire d'Action, on va voir ce que ça donne. Il y en a 22 dedans. 22 plus 2 de lingettes camomille, extrait de camomille et de rose. Donc on va tester. Donc il y en a 22, elles sont à 1,79 €. En sachant que il me semble qu'elles sont à 5 ou 6 €. Ouais, je vérifie. Il me semble que c'est ça. Donc on va voir ce que ça donne, si effectivement ça vaut le coup ou pas, parce que voilà. Mon achat que j'ai trop hâte de tester. Vraiment. J'ai trouvé ça. Je suis tombée là-dessus. Je l'ai payé 4,95 €. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? On va voir. Je vais déjà l'ouvrir. Oh, c'est bien, je galère pas. Alors, à quoi ressemble l'abeille? Donc déjà, c'est rangé comme ça. Alors. Donc, on a la lotion avec. Ah. C'est fermé du coup. Ouais, ça va, ça pue pas. C'est déjà pas mal. Ensuite, la petite boîte. Bon, bien sûr, ils vous disent dessous que les piles elles sont pas comptées. Oh, elle est toute petite. Elle est trop mignonne.
Donc voilà la bête. Elle est vraiment toute petite. Hein. J'ai des mains de bébé, moi. Donc on a... Donc on a deux brosses comme ça. Hop. Et on en a une comme ça. Voilà. Hein. C'est... Et puis en avant la musique. Ok. Bon. Donc j'ai trop hâte de tester et voir ce que ça donne parce que moi bon, par contre c'est tout doux quoi. Hein. C'est ça risque pas de vous agresser la peau ça. Hein. Bon après je sais pas si si je vais tester avec leur produit qu'ils mettent dedans parce que je fais des réactions à tout et n'importe quoi donc j'essaierai quand même. Comme ça au moins j'aurai testé. Et puis, puis si ça me brûle, bah, on arrêtera, hein, c'est tout, on restera. Hein. Voilà. Donc je vais tester tout ça. On va aller dans la salle de bain. On va tester tout ça. C'est trop mignon. Bon, tu casses ta gueule. Hop. Et ça, c'est trop pratique, je trouve. Sérieux, c'est trop bien. Tu la ranges dans la salle de bain, t'es tranquille, quoi. Bon, voilà ça. Donc ça, c'était pour Action. On a été faire un tour vite fait au Leclerc. Et je me suis trouvé des coussins. Mais c'est juste des coussins de déco. Des coussins déco. D'ailleurs, si vous y allez au Leclerc, dans le rayon, tout ce qui est couette, oreiller, coussin, enfin tout ça, ils font des super promos. Donc j'ai pris 3 coussins comme ça. Voilà, j'en ai pris 2 roses comme ça et un beige. Au départ, ils étaient à 4,50€ et là, ils sont à 2,95€. Et en fait moi j'en voulais des tout petits comme ça, voilà, juste pour de la déco parce que j'aime bien en fait sur mon lit quand il y a plein d'oreillers et là ça devient pour pitié. Donc voilà, je me suis acheté des petits coussins, donc pareil, 2,95€ de coussins. En sachant que ceux-là, ils vont pas dans la machine, hein, faut les laver à la main parce que sinon vous allez les abîmer sinon. Donc voilà, donc je vais aller tester tout ça là. Histoire de faire un ravalement de façade, tout ça, parce que là, ça devient critique. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc, voilà, j'en ai plein la face. C'est parti. Donc, il dit d'éviter les yeux, évidemment. Ça a l'air de faire son taf quand même. Hein. Donc il dit 20 secondes sur le menton, 20 secondes sur les nez, 20 secondes sur le front. Évidemment.
Et ensuite, on rince. Et ben franchement, bon, pas de réaction allergique, ce qui est déjà un succès en soi. Vu que ça m'a ouvert les pores, on va faire un petit petit pâte de nez, histoire de tester, autant tester complètement. Enfin, si j'allais ouvrir, c'est toujours pareil. Patch pore dilaté au charbon. Vu que ça va bien tout ouvert, on va tester. Alors. Là, la bête. Ça zoome pas. Merci. Hop là. On va le laisser 20 minutes. Et donc, ce qu'on va faire en même temps, tant qu'à faire, je vais faire le patch pour les lèvres, voir à quoi ça ressemble. Et comme ça, on le laissera les deux en même temps. Alors par contre, c'est tout. Il est plein de gel. En fait, ça dégouline. Vous verrez peut-être pas bien, mais ça dégouline. Bon, du coup, je passe sur l'autre miroir pour mieux voir. Bon, voilà, je viens de tout enlever. Le gel pour les lèvres, je l'ai enlevé au bout de 2 minutes, même pas. Il est super agréable à poser, à mettre et tout. Même au toucher, c'est vraiment texture gel. Mais au bout de 2 minutes, moi, ça a commencé à me brûler, à me piquer. Donc, je l'ai enlevé tout de suite. Si vous avez une peau qui réagit comme la mienne rapidement, oubliez. Passez à autre chose. Je sais pas, allez voir dans un institut bio ou quelque chose comme ça. Mais non, oubliez le truc là. Non, c'est pas bon. Le patch pour le nez. J'ai laissé quand même 20 minutes, 25 minutes j'ai laissé. Ils disent entre 15 et 20, j'ai laissé 25 minutes. J'ai pas vu la différence. Un petit recommandant fait très bien l'affaire. Là franchement, non, il fait rien. Il sèche sur la peau. Et puis voilà. Après vous l'enlevez, oui, bon, c'est tout quoi. Franchement rien. Donc là je vais juste appliquer ma crème hydratante parce que ça commence déjà à me tirer. Parce que j'ai la peau très 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 sèche. Donc je vais appliquer ma crème de jour. Et puis voilà. En passant, ma crème pour le jour, c'est celle-là. Babam. Elle est super bien. C'est le petit dégulé. Elle est super bien. Ça fait texture gel en fait. C'est... Elle est vachement agréable au toucher, sur la peau et tout. Elle est vraiment tip top. C'est celle que je mets tous les matins. Voilà. Dites-moi un peu si vous aussi, vous avez des crèmes à recommander. Ce que vous faites comme routine de matin, soir. Qu'est-ce que vous mettez sur votre peau, si elle est sensible aussi comme la mienne. Parce que franchement, c'est un peu compliqué à trouver quelque chose qui me va. Quoi. Juste un petit masque gel. Voilà, au bout de 2 minutes, même pas, je l'ai enlevé parce que ça n'allait pas. Dites-moi aussi si c'est votre cas ou pas, ce que vous faites pas. Voilà, j'attends de vous regarder dans les commentaires. Bisous !